Bien, bonsoir à tous, il est 19h30 passé, c'est le moment de retrouver notre rendez-vous, j'allais dire hebdomadaire, mais non, on se retrouve que toutes les deux semaines. Donc ce soir, on a le plaisir de retrouver l'équipe de rêve, comme à chaque fois, bien entendu. Hein, donc tout d'abord, je tenais à remercier tous nos fidèles contributeurs et contributrices qui nous suivent depuis déjà deux semaines dans cette aventure. Vous avez été nombreux à regarder à nouveau les... Le live, le partager ici et là, donc vraiment tiens à vous remercier, c'est vous qui participez du coup au développement de ce podcast et à son rayonnement. Et puis du coup, n'hésitez pas, excuse-moi, pardon, me permets, mais n'hésitez pas à continuer à partager et à faire connaître l'émission s'il vous plaît. Elle a lâché la présentation. Oui. C'est vrai, pardon, voilà. Excusez-moi. Donc, non mais il n'y a pas de souci, donc voilà, comme le dit Marie, abonnez-vous, on est sur Twitch, Instagram, Facebook, YouTube, et bientôt on sera sur LinkedIn, on se fera une petite page pro, ça fera un truc carré quoi. Donc ce soir, il y a deux semaines, on était vraiment très loin dans le passé, hein. Les dinosaures, l'âge du bronze. Aujourd'hui, on fait un bond dans le temps. On va s'intéresser particulièrement au XXe siècle. Donc ce soir, le programme. D'un point de vue archéologique, on va s'intéresser aux grands conflits mondiaux, particulièrement la Première Guerre mondiale. On aura un petit débat. Je vous laisse un peu de suspense. Tu veux qu'on le cache là? Voilà, c'est ça, on va cacher. Notre sujet d'histoire de l'art, donc, c'est surtout ce qui va être la notion du vintage. On entend souvent, les jeunes et les moins jeunes, nous dire « Non, mais c'est pas vieux, c'est vintage. » Donc, on vous a préparé une petite pépite. Notre petit jeu qui va commencer à rentrer dans les annales du podcast. Pardon, j'ai fait une erreur, ce ne sera pas un Painter Blender, ce sera un QPA, question pour un artiste. Bon, on excuse, hein, c'est le début. Et on terminera par notre sélection habituelle de la rédaction pour creuser et un petit agenda. Donc, écoutez, je vous propose de partir sur notre sujet archéologique favori. Est-ce qu'on a une petite transition entre terre et pierre, patrimoine? On n'a pas remercié patrimoine. Oui, merci à la régie, en effet. Bonjour Pat, qui est en bonne compagnie ce soir, qui est son assistante personnelle. Une assistante personnalisée, n'est-ce pas, hein? Personnalisée. Alors, une transition, je ne sais pas. Bon, sinon, c'est pas grave. On a un bandeau. Ah, on a un bandeau. Bon. Voilà. Allez, voilà, donc l'archéologie avec un H, pas un G. On excusera la régie, c'est toujours... C'est pas la régie, c'est moi. Oh, faut pas le dire, ça. Donc voilà, donc... Ça change. Avant de commencer ce sujet qui n'est pas des moins gays pour finir cette année, je vous propose une petite citation. J'aime beaucoup les citations. Donc ce sera une citation de Jean de Montluc, maréchal d'Henri IV, donc qui nous dit... Seigneurs et vous, capitaines, qui menez les hommes à la mort, car la guerre n'est pas autre chose. Je pense que la messe est dite. Donc, bonne soirée. La semaine dernière, nous étions dans le Finistère avec cet impressionnant site de Concarneau. Je vous propose ce soir de rester un temps soit peu dans le Finistère, toujours dans la Bretagne occidentale, hein, les confins de cette Bretagne occidentale. On va remonter un petit peu et là, ce soir, nous allons commencer notre périple patrimonial, archéologique et intellectuel du côté de Landerneau. On a une petite vidéo normalement qui va apparaître. Une petite vidéo, mais tu peux commencer. Donc, oui, en attendant que les visuels arrivent, donc je vous propose de nous arrêter un petit moment sur la commune de Plouédernes. Donc bon, pour beaucoup, ça ne va pas parler. Moi, le premier, hein, j'ai connu ce site en m'y arrêtant par hasard en 2017, lors d'une prospection inventaire dans le Finistère. Donc ce qui m'avait vraiment surpris, c'était sur les panneaux marqués « Tranchée 14-18 ». Ça m'avait vraiment surpris parce qu'on est vraiment... Bretagne, voilà, tout à fait, on est vraiment loin. C'est un peu curieux. On est vraiment loin du front de l'Est de la France.
Mais en fin de compte, en creusant un petit peu, on se rend compte que c'est une véritable tranchée de la Première Guerre mondiale qui, en fait, dépendait du 128e régiment d'infanterie qui a été créé en 1794 à partir de la 128e demi-brigade des premières formations. Donc voilà, c'est les contingents d'armée de terre qui ont été créés après la Révolution française. Ce régiment a d'abord été dissous en 1814 après les guerres napoléoniennes. Il a ensuite été recréé en 1873. Il s'illustre notamment pendant les batailles de Morupt en 1914, Tahure en 1915, La Forêt de Retz et Roulers en 1918. Je mentionne ces batailles, il y en a eu d'autres, hein, mais elles ont fait l'objet d'une mention sur le drapeau du régiment, donc qui correspond vraiment aux honneurs attribués aux exploits et à l'effort de guerre. Donc, ces tranchées, qui, bon, bah, bien entendu, n'ont connu aucun conflit, sont des tranchées d'entraînement qui dépendaient de ce régiment. Et en fin de compte, on formait les soldats sur ces tranchées avant leur déploiement sur les théâtres d'opération de l'Est de la France. Bien sûr, les conditions ne sont forcément pas les mêmes. Hein, vous imaginez bien, même si voilà, la Bretagne a ce cliché d'un pays où il pleut tout le temps, on imagine quand même qu'il y faisait quand même mieux bon vivre. Il résidait du coup vraiment quand il s'entraînait, vraiment en immersion totale. Il résidait dedans. Et en fin de compte, ce site il se déploie sur 9000 m2 et il est caractérisé par tout un réseau de boyaux. Bah, on voit bien dans la vidéo derrière. On peut encore circuler dedans. Et en fin de compte, c'est vraiment intéressant parce que ce site a fait l'objet d'une réhabilitation en 2014 par l'association Dourdon. Donc, c'est une association qui vise à mettre en valeur le patrimoine local de la région de Landerneau. Et donc, cette réhabilitation Nord Finistère pour ceux qui connaîtraient pas. Et du coup oui, ça a fait l'objet d'une réhabilitation dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Ouais, donc c'est assez récent en fait. C'est tout à fait récent finalement. Et en fin de compte on se rend compte que c'est un site qui est vraiment méconnu à l'échelle régionale. Par contre, à l'échelle locale, tout le monde le connaît. Il y a plein de témoignages comme quoi des anciens disent « Bah oui, quand on était gamin, on jouait ici dans les tranchées, nos enfants jouaient là, nos petits-enfants jouaient là, etc. etc. » Et c'est vraiment intéressant parce que le site est en libre accès. Et d'autre part, ça a vraiment été bien réhabilité et il y a tout un tas de visuels, des panneaux explicatifs sur la vie de tranchée et la vie de ce camp d'entraînement. Il y a une vraie valorisation quand même avec une portée pédagogique aussi. Quoi. Et je trouvais vraiment intéressant de pouvoir s'arrêter un moment sur ce site parce que voilà, ça représente quand même un des éléments qui participent à cette histoire de la Grande Guerre. Et du coup, voilà, donc pour les personnes qui iraient du côté de Brest dans un avenir plus ou moins proche, je vous conseille vraiment de vous arrêter là-bas parce que c'est vraiment un site qui vaut le détour. Quoi. Et je sais que voilà, au moment des journées du patrimoine, des journées européennes de l'archéologie, il y a toujours des petits événements qui sont faits par l'association Dourdon, pardon, d'une part, et la collectivité territoriale de Landerneau. Voilà pour ce premier... C'est hyper intéressant. Moi, j'avoue que ça change des sites Première Guerre mondiale dont on entend parler d'habitude. Ouais, tout à fait. Je savais même pas que ça existait, en fait, ce principe de tranchée d'entraînement. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est d'autant plus intéressant parce que, d'après les historiens spécialisés sur la Grande Guerre, beaucoup de régiments auraient disposé de ce type de structure avant un déploiement des soldats. Par contre, il y en a très très peu de conservés. Et enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on est peut-être en présence d'un unique cas aussi bien conservé. Ouais, quoi. Qui reste encore voilà, visible aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Parce qu'au final, en 2014, lorsqu'ils ont réhabilité le site, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont remis un petit peu de bardage en bois ci et là. Ils ont stabilisé certaines tranchées, ça n'a pas été un investissement important. Quoi. Donc, ça montre vraiment la conservation du site. Quoi. Et c'est également, donc, c'est sur une parcelle privée, mais a priori, le propriétaire de la parcelle mettrait gracieusement à disposition l'accès du site.
site, quoi. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir ça. Et quoi. C'est encore entretenu ou Ah oui, c'est entretenu par l'association Dourdon. Ouais. Okay. Oui, il y a vraiment une grosse remise, enfin une grosse mise en valeur du site qui a été fait. Donc, et c'est vraiment, enfin, perdu au milieu de la pampa. Hein. Moi, enfin, je me souviens quand j'y suis allé, j'avais vu ça, ça m'avait interpellé et. On suit les trucs et on arrive, alors c'est un peu sous un couvert forestier, et il y a vraiment une tranchée peut-être large comme ça qui fait l'entrée du site. On fait oh, « dans quoi je m'aventure ?» Et puis après on voit tout le réseau et c'est vraiment super intéressant. Quoi. Ce qui est bien, qu'on peut voir un peu ce que c'est les tranchées sur le front, mais c'est qu'on ne voit plus ou qu'on n'a pas l'occasion de voir autrement. Quoi. C'est ça. Pas dans l'Est, il y a encore pas mal de vestiges. Ouais, il y a encore pas mal de vestiges, visitables, mais... Qui malgré tout sont quand même très pollués par tous les restes de munitions, que ce soit des bombes sales ou de la munition en général. Ouais. Là, on a vraiment cette chance d'avoir un site propre. C'est un entraînement. C'est un site d'entraînement. Donc bon, on peut peut-être retrouver parfois un peu de munitions et tout, mais c'est vraiment un site propre et qui peut où on peut y aller sans danger, quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit aperçu, vous qui nous regardez avant d'aller. Oui, avant d'y aller. Vous avez des vidéos là sur YouTube qu'on a utilisées aussi pour la présentation qui présente. Il y a eu plusieurs reportages, des chaînes régionales en fait. Il y a un reportage France 3 qui a été fait en 2014, je crois. Et là, la vidéo qu'on voit derrière, c'est en partie la vidéo de France 3. Et il y a également un vidéaste amateur qui a fait une vidéo d'une dizaine de minutes. En 2019-2020, et qui présente en fait tout le site où il s'aventure dans le réseau de boyaux. Donc, pour les personnes qui seraient un peu trop loin de Landerneau, je vous conseille de regarder cette déjà, vidéo. Oui, vous tapez tranchée 1418 Plouéderne, donc Plouéderne, Plouedern, et là vous trouverez tout. Et c'est vraiment un site magnifique. D-E-R-N, pardon. Non, mais c'était très bien. Voilà, donc bon. Trêve d'aventure bretonne. Je vous propose maintenant de nous aventurer sur l'artisanat de tranchées que va nous présenter Marie. Donc, on a aussi cette chance aujourd'hui d'avoir quelques objets qui nous ont été gracieusement prêtés par des bienfaiteurs. Donc voilà, vous pourrez avec nous contempler cet artisanat. Oui, alors objet de tranchée, effectivement, on parle plutôt d'artisanat de tranchée aujourd'hui. On doit avoir un petit bandeau pâte également pour le petit à la loupe sur les objets de tranchée, je pense. Alors, si vous nous trouvez ça. On est parti. Puisque c'est vrai qu'en fait, la vie dans les tranchées, on a quelques photos, éventuellement quelques images, mais la vie quotidienne des soldats était quand même. Alors, il y avait les batailles, effectivement, il y avait les assauts, il y avait les choses comme ça, mais il y avait énormément de temps d'attente, en fait. Entre deux assauts, la vie des soldats, malheureusement, était quand même très monotone. Au-delà du fait d'aller se faire charcuter la demi-journée suivante. Mais donc, il y a eu tout ce phénomène qui s'est développé. Effectivement, vous avez plusieurs objets. Je pense qu'on ici. Peut les montrer. Tiens, vas-y, attends, passe-moi le gros, là. Moi, j'en ai amené aussi. Alors, en plus, je suis contente parce que c'est des objets qui appartenu à mon arrière-grand-père, en fait, qui a fait D'accord, Verdun, ouais. qui était à Verdun. C'est nouveau en plus, il y a toute cette dimension héritage familial. C'est plutôt chouette d'avoir gardé ça. Donc, c'est un briquet, c'est des briquets. Donc, il y a celui-là et il y a celui-ci, par exemple. Oui, bon, ou des choses comme ça qui sont sculptées, qui sont ciselées. Ça, dites-vous que c'est fait, en fait, avec des munitions. Ouais, avec des douilles. Je ne sais pas si on voit bien, je peux me rapprocher. C'est fait en fait avec des. Ouais, c'est pas assez flou. Faites-nous confiance du coup. C'est des douilles. C'est fait avec des douilles de munitions, c'est des balles ou des balles fondues, des choses. Ça, c'est des douilles d'obus également. Donc il y a beaucoup de choses. Ouais, il m'avait ramené aussi. Ça, c'est un éclat d'obus. D'accord. Ah, je pensais que c'était un éclat de blindage en le voyant. Mais c'est un éclat d'obus. C'est incroyable, ça pèse un admor. Ouais, c'est lourd. Ouais, il y a bien. C'est au très moins, impressionnant. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin du 800 grammes, là, alors que c'est un petit morceau qui fait à peine 10 cm. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, non, c'est et donc, il y a plein d'objets comme ça. Donc là, moi, c'est des briquets, mais il y a aussi des bagues, des bijoux que les soldats aussi préparaient pour ramener
à leur femme ou à leur famille quand ils rentraient du front. Il y a eu énormément d'objets du quotidien, des correspondances aussi. Toi, Thomas, je sais que tu as travaillé, enfin que tu as retrouvé. Ouais, c'est vrai que on a toujours cette chance de retrouver dans des brocantes ou autres des objets du quotidien. Et des fois, on peut tomber justement sur des correspondances, dans des vieilles cartes postales, des correspondances d'un soldat avec ses proches, ses amis. Donc, tu sais, c'est toujours des. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment des choses qui m'émeut. Et puis, enfin. Quand on voit la difficulté de vie sur le front, je suis toujours stupéfait de la qualité en fait de cet artisanat. Enfin là, on voyait tout à l'heure avec le briquet, c'est vraiment un travail très fin. Hein. Ouais. Là, avec la douille que j'ai devant moi, donc j'imagine que ça a dû servir de vase. On a tout un décor floral dessus. On a la date 1916. Enfin, c'est vraiment des objets très très beaux. Et puis, enfin, quand on voit le piquetage qui est fait dessus, j'en avais discuté une fois avec un spécialiste de ces objets-là, il me disait que c'était fait tout le piquetage avec la pointe d'une baïonnette. Donc on imagine vraiment le caractère chronophage en fait de cet artisanat. Enfin c'est assez, c'est toujours émouvant. C'est toujours très émouvant, je suis d'accord. Ce genre de choses quoi. Et c'est vrai que ce sont des objets qu'on retrouve énormément. Tu parlais des brocantes, dans les ventes aux enchères également, il y a des ventes dédiées aux souvenirs historiques. On retrouve énormément d'objets. Alors attention par contre si vous êtes sur des sites internet ou si vous allez dans les ventes aux enchères. Il y a les vrais objets qui sont authentifiés comme étant de l'artisanat vraiment de tranchée. Il y a eu aussi beaucoup, immédiatement en fait, après la fin de la guerre 14-18, pour le coup, des vrais souvenirs historiques, des choses qu'on a fabriquées. Oui, un peu pour la commémoration en fait. Ouais, c'est ça. Puis ça pour les familles qui venaient un peu en pèlerinage dans l'est de la France, il y a eu beaucoup les champs de bataille, de voyages entre guillemets. C'était un peu ça, de familles qui venaient se recueillir sur les lieux de bataille. Donc attention un petit peu à ça si ça vous intéresse, si vous voulez acheter ou collectionner ce genre d'objets, il y a quand même. Et parfois, sur l'authenticité, il faut être un petit peu prudent. Oui, bien sûr. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je vais conclure ce petit artisanat, ce petit à la loupe sur les artisanats, parce que j'ai retrouvé, du coup, j'ai récupéré aussi le portefeuille de mon arrière-grand-père, donc, qui avait ça avec lui. Il y a sa photo à Verdun c'est dans les tranchées. Nouveau, en plus, sa carte du combattant. Et donc, il avait avec lui cette citation de Paul Valéry. D'accord. Qui dit c'est le massacre de la guerre, c'est le massacre de braves gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Ouais, et je trouve ça assez révélateur de l'état d'esprit ces gens-là, en fait, tous ces anonymes qui ont vécu l'enfer dans les tranchées. Ouais, bien sûr. Comme tu dis là, des gens qui se connaissent, on a tout de suite, moi, c'est vrai qu'en entendant ça, je pense tout de suite à la trêve de Noël qui a été faite. Alors, je ne sais plus l'année, j'en suis désolé, mais la trêve de Noël entre les soldats français et les soldats allemands. C'est 1915, je crois. Ouais, ça doit être ça. C'est Noël 1915. Où ils ont fait un repas, ils ont joué au foot et tout. Et puis le lendemain, c'était reparti, se tirer dessus. C'est vraiment quelque chose de très, très prenant, quoi. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à aller effectivement faire les brocantes, regarder les ventes aux enchères ou sur. Je ne veux pas faire la pub d'Internet, j'aime pas trop les ventes sur Internet, mais. Il y a moyen de récupérer tous ces objets, puis de les préserver aussi, effectivement, c'est important. C'est vrai que c'est des objets émouvants, je trouve que c'est important, à travers ces objets-là, de perpétuer un peu la mémoire des soldats qui ont été... Tout à fait, ouais. Puis c'est vrai que c'est des objets qui de plus en plus intéressent la sphère muséale. Bon, c'est vrai que... De plus en plus. On avait... Enfin, tous ces objets, on les retrouve dans les musées du front, que ça soit de la Meuse, etc. Mais de plus en plus, on en retrouve dans des musées... Enfin, dans le Grand Ouest, enfin, dans l'Ouest en général. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir voir ces choses. Plus de place aux objets du quotidien, je trouve que c'est important quand même de... Tout à fait, ouais. Donc voilà, c'était le petit à la loupe de la semaine. Voilà, et du coup, je vous propose de conclure cette petite touche archéologique avec un petit faux... Je crois que t'es fini. Non. Avec un petit focus sur deux sites de fouilles en particulier que va nous présenter Anaïs. L'un sur un char et l'autre sur une sépulture collective. Donc on reste toujours dans cette dimension assez conflictuelle et macabre, mais je pense que c'est tout à fait important de mettre l'accent dessus. C'est des choses qui sont encore trop peu connues et qui font malgré tout partie de notre histoire, qui plus est de notre passé récent. Eh bien, écoute, je reprends après ce magnifique discours. Il y aura une petite. Donc, moi, je vais vous parler du char de Flesquières.
je pense qu'on prononce ça comme ça, Flesquières, qui a été découvert en 1998 et qui a fait l'objet d'études et de fouilles. Voilà, donc c'est un char qui a été découvert, en fait, ils ont suivi la tradition locale. En gros, la tradition locale, elle voulait que le char, qui est un char qui a été poussé dans une fosse. D'accord, ouais. Et une fosse qui devait accueillir à la base un dokos. Et en fait, les armées ont poussé le char, donc c'est un char anglais. Et c'est comme ça qu'ils l'ont localisé. Et il s'agit d'un tank, alors attention, d'un Mark IV. Donc c'est un tank britannique qui fait jusqu'à 8 mètres de long. Ou 5 mètres de long. Non, c'est 8 mètres de long, 5 mètres de large, je crois, c'est pas ça ? Ça doit être ça, ouais. Et ils ont quand même le sommet du tank, il était quand même à 2 mètres de profondeur. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, donc ils ont creusé en fait jusqu'à 5 mètres. En fait, ça s'est enfoncé, c'est ça, ouais. Dans le sol. En fait, ça s'est enfoncé, ouais, dans le sol. Mais d'un seul bloc, quoi, ça, c'est incroyable, je trouve. Et je sais pas si on peut. Ouais, est-ce qu'on pourra avoir les photos, là ? J'ai pas mis en boucle, du coup, la petite vidéo tout pour ce sujet-là. Pardon, je remets. La régie est sur le coup. Merci, la régie. La régie est au top. Donc là, on voit, ils sont en train de dégager le tank dans la boue. Donc, ils ont déjà leur hauteur en niveau de terre au-dessus. Oui, on voit déjà le sommet. Et là, du coup, j'ai pas retenu le nom de la commune où est-ce que ça a été. C'est à Flesquières. C'est dans le nord, c'est près de Cambrai. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai, je l'ai pas précisé. Ouais, donc là, on est grosso modo sur les batailles de la Somme, quoi. C'est ça. Ouais. Okay. Pas de la Somme. Cambrai, ah, c'est où Cambrai? Non, je dis des bêtises. Ah oui, non, on est plus à l'ouest quand même. Ouais, ok, ouais. Autant pour moi. Ouais. Autant pour moi. On oublie, je reprends tout de suite. Donc en fait, c'est une découverte assez exceptionnelle puisqu'il est quasi complet en tant que char. Il manque juste l'avant-droit qui a été explosé. Donc on le verra sur une autre photo, l'avant-droit qui est totalement déchiré en fait. Ouais, il est ventré, ouais. Voilà. Oui, mais il est quand même, enfin tout était en place quoi. Mais ça c'est assez incroyable. C'est vrai que en fait après la première ou après la deuxième guerre mondiale, en fait ce qu'on ignore souvent c'est qu'il y a énormément de matériel qui a été laissé sur place. Ouais, bien sûr. Ouais. Et qu'en fait avec le temps tout s'est enfoncé dans les sols et on arrive à retrouver. Enfin je trouve ça incroyable de retrouver un truc entier. Non c'est sûr. Mais moi ce qui me surprend c'est l'enfouissement sous 2 mètres de profondeur. Alors, on a souvent l'habitude. Le sommet était à 2 mètres. D'accord. Oui, donc ils ont creusé jusqu'à 5 mètres. Ah oui, ils ont fouillé jusqu'à 5 mètres de profondeur. C'est vrai qu'on a l'habitude en archéologie de voir, selon la période chronologique, un enfouissement plus ou moins important. Oui. Mais là, on est quand même sur du passé récent. Moi, ça me. Oui, on s'attend pas à ce que ça soit. Ouais, voilà, aussi, c'est ça. Je suis totalement surpris de cet enfouissement si profond, quoi. Il y a le même phénomène aussi. En cours, on a vu ça, des sites de crash d'avions. D'accord. Pareil, ça s'enfonce. À une profondeur incroyable. C'est, là, c'est vraiment des choses que je connais peu, moi. Et du coup, forcément, au début, il était encore visible juste à l'après-guerre. Donc, il a fait l'objet de récupération par les populations. Oui, bien sûr. Enfin, de tout ce qui était réutilisable, en fait. Et il a aussi servi d'abri enterré. En fait, ils ont retrouvé plein de tôles qui bouchaient toutes les entrées pour éviter que ce soit en fait encombré par la terre. Mais c'était aussi un abri enterré selon les interprétations. Du recyclage, en fait. Et du coup, cet abri, il servait à quoi Alors, s'il n'y a pas de précision dans les articles que j'ai pu lire, c'est vraiment, c'était... ils interprètent les tôles qui ferment les ouvertures comme un... Okay, c'est devenu un abri. Ah ok, non, c'est surprenant, mais... Après, on peut s'imaginer qu'il y a eu quand même des zones... d'habitat qui ont été dévastées aussi par les conflits. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui auraient pu... Après, on n'a pas la date exacte. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas trouvé la date exacte de cette. Enfin, j'ai plus la date en tête, en tout cas, je crois, de la bataille et du fait qu'elle soit. Donc, peut-être qu'il y a eu d'autres batailles ensuite qu'on suivit et qu'il a servi. Ah oui, pour les soldats. D'abri, peut-être. Trouve, oui. Ah oui, ok. Enfin, j'imagine. Du coup, ils ont mis une semaine pour le dégager complètement. Voilà, c'était la petite anecdote. D'accord, ouais. Non, c'est vraiment intéressant de voir ce genre de choses. Mais je pensais pas qu'on pouvait retrouver un truc aussi complet, en fait. Je suis assez bluffé. C'est assez bluffant. Quand tu tombes là-dessus en fouille, ça doit être... Et ils ont même réussi à déterminer le bataillon auquel il appartenait. Parce qu'en fait, il y a une inscription. Donc, on verra pas sur les images, mais il y a une inscription avec le numéro d'équipage.
Et en recollant avec les sources historiques, et notamment une photographie, une photographie d'époque d'un char qui a été détruit dans la ville, enfin à Flesquières, ils ont pu déterminer que c'était de tel bataillon. D'accord, ouais. Ah, c'est intéressant. Hein. Et il a été classé monument historique en 99. Et donc il est exposé. Et depuis il est mis en valeur. Ouais, depuis il est exposé. Il est exposé où ce... Dans la ville. Okay. Ou juste aux alentours, mais il me semble que c'est vraiment resté à proximité local. Ah, ok, ouais. Non, c'est chouette que ça reste sur place. Il y a place, eu tout un tas de cérémonies, parce que du coup, c'était un char britannique. Ouais. Donc, c'est des troupes britanniques. Beaucoup dans la commémoration. Au Commonwealth. Et du coup, il y a eu une cérémonie suite à la découverte, en fait, et à la mise en valeur du char. Non, voilà. C'est vraiment impressionnant. Vraiment fou. C'est un bon exemple, en fait, de ce. Enfin, des trésors, c'est pas un trésor, mais de ce qu'on peut découvrir en archéologie, on s'y attend pas. Oui, bien sûr. On a du mal à dire trésor pour ce genre de vestiges, parce que c'est associé à trop de. Oui, d'atrocités, mais. C'est pas le bon terme, mais. Mais bon, oui, j'imagine que t'es archéologue, tu tombes là-dessus sur un chantier. Ouais, après, ils s'attendaient à le trouver, étant donné qu'ils avaient quand même des petites indications, que ce soit la tradition locale qui voulait que le char soit là. Oui, c'était connu. Une photo aérienne de 1918, je crois, qui l'indiquait, mais. Non, mais ce qui est intéressant quand même, c'est l'état de conservation de ce véhicule, quoi. Impressionnant. Bon, il a quand même dû subir un sacré. Tout l'avant-droit est explosé. Ouais, bah, on voit bien qu'il a été ventré par des tirs d'obus. Avec le temps, finalement, il est quand même bien conservé. C'est impressionnant. Donc voilà pour le premier petit site. Enfin, petit. Petit, oui. Ouais. Hein, voilà, façon de parler. Et ensuite, je vais vous parler d'une sépulture collective deuxième vidéo. qui est composée, dans laquelle on a trouvé 20 corps. Et en fait, cette sépulture, elle a la particularité d'avoir déjà d'être collective et d'avoir été. En fait, c'est la position des corps qui est un peu marquante. On voit pas très bien sur les images parce que dessus, dessous, je vais peu, me pousser un petit peu pour qu'on. Mais non, mais c'est bon. On voit bien, Thomas. Ça a été découvert en 2001, donc la qualité des photos que j'ai trouvées sur l'INRAP d'ailleurs. Et donc voilà, il n'y avait pas trop de contexte. On a un peu trouvé ça. C'était quand même un site qui était fouillé, hein, c'est en préventif. C'est à Arras, c'est dans le nord aussi, du coup. Et en fait, c'est avec les documents historiques. D'où la nécessité de l'interdisciplinarité. C'est grâce aux documents historiques qu'on a pu reposer le contexte. Donc en fait, pour resituer, c'est une fosse de 15 mètres de long sur 2 mètres de large. Et tous les corps sont disposés côte à côte. Il y a juste le dernier corps qui est un petit peu à l'écart. Enfin, il n'est pas collé aux autres. En fait, les interprétations... c'est qu'il a été rajouté après, au même moment, mais qui ne fait pas forcément partie du groupe. Oui, c'est parce qu'il y a une histoire derrière le groupe, en fait. Oui. D'accord, ouais. Donc, en fait, c'est 20 hommes, donc de 20 à 40 ans, et ils sont tous allongés sur le dos, et ils ont les bras avant repliés, et en fait, ils sont un peu bras dessus, bras dessous, si je peux dire. Ils se tiennent tous comme ça, les 19, pas le 20e. Et ils n'avaient aucun effet personnel. Donc on n'a pas pu identifier les corps, enfin ils n'avaient pas pu en tout cas à ce moment-là identifier les corps. Il y a juste la mention de Lincoln, et en fait c'est l'appartenance à un bataillon, donc ils ont pu le rattacher à un bataillon. Et en fait, il se trouve que c'est un groupe d'amis, une famille, enfin des membres d'une même famille et tout ça. Bref, ça, qui venaient tous d'une même ouais. ville, donc on parle des Grimms. Ah ouais, c'est chiant à dire. Ouais. Je suis d'accord. Grimms. Ça, je t'ai laissé ce sujet-là. et en fait, ils viennent d'un petit port en Angleterre, Grimsby. Mm. Et en fait, ils viennent tous de là-bas. Ils ont tous, sans doute. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il y a un peu la tradition de. Bah, tout le monde se mobilise. Oui, on partait ensemble dans le village. Ouais, bien sûr. Ouais. Part ensemble. Quoi. Mm. Et donc. Donc, on a pu aussi dater. Ils sont morts en 1917. Et après, on suppose que, étant donné leur position et le fait qu'il y a quand même, c'est une sépulture assez digne, ils sont bien, enfin, sont sur le dos, entre oui, il y a un soin particulier qui est apporté. On suppose, enfin, il est supposé que ce soit certains de leurs compagnons qui les ont enterrés d'accord, de cette manière, en fait, ensemble, et voilà, pour garder cet esprit de groupe, quoi. Enfin, il n'y avait aucun effet personnel et tout ça, et du coup, ils ont été réenterrés.
à proximité, parce que comme on disait, oui. Le corps, c'est particulier pour les sépultures comme ça, en fait, c'est les soldats anglo-saxons, ouais. C'est un peu selon chaque pays. Les Américains vont rapatrier le corps, les Anglais vont et les Canadiens vont enterrer sur place, enfin là où ils sont tombés, là où on les a retrouvés. Mmh. Et les Allemands vont plutôt être soit dans le rapatriement, soit dans les cimetières allemands qu'on peut trouver. Okay, ouais. Mais chaque pays a sa façon de faire. Non, c'est assez, et donc ils ont été réenterrés. Et pour la petite anecdote, en fait, apparemment, ils ont trouvé à chaque extrémité de la fosse des morceaux d'obus et qui en fait voulaient signaler. La position, une fois, enfin quand la tombe était fermée, ah oui, d'accord. La sépulture recouverte, ils voulaient signer, enfin ah oui, d'accord, ouais. Montrer marquer la tombe, ouais. Okay. Moi j'ai une question, je t'entends dire qu'il n'y avait pas d'effet personnel retrouvé. Est-ce qu'il est possible qu'il y avait des effets personnels mais que ceci n'ait pas aussi bien traversé le temps que les squelettes ou, et qu'on puisse par la suite trouver des traces dans le sol qui pourraient... Je pense que c'est possible parce qu'ils ont leurs chaussures. Donc, oui, il y a quand même des matériaux qui sont... Tu vois, le cuir, par exemple, ça a survécu assez bien. Après, il n'y avait pas d'éléments personnels qui permettaient de les identifier. Ouais, d'accord, ouais. D'accord, de carte d'identité. Voilà, ou... pas de plaques ni rien. Et, Mais souvent, grâce aux souvent souffles, on ramassait en fait, les plaques d'immatriculation, les matricules, d'accord, des soldats pour faire le décompte des victimes, tout simplement. Donc, ils ne sont pas forcément enterrés avec. D'accord. Il y a des pratiques différentes. Les Allemands, je crois, ils coupaient les plaques en deux. Ouais, c'est ça. Bah, il y a toujours. Pour montrer que ça, ils avaient que le corps avait été recensé dans les victimes. En fait. Et d'accord, enterré aussi, okay, par les Allemands. Chaque belligérant a un peu sa façon de faire à ce niveau-là. J'aime bien ce mot, belligérant. Ah, bah, on place des mots savants. Non, mais c'est vrai que sur un grand nombre de plaques d'identification, il y a toujours, c'est toujours en deux parties, comme tu dis. Et c'est vrai que quand la personne décède sur le front. On garde une partie qui va être rapatriée, d'une part pour le comptage des victimes de guerre, et d'autre part pour la famille, pour dire malheureusement votre fils, votre mari, votre frère ou je ne sais pas, décédé, quoi. Ah, c'est vraiment... Donc, c'était un bel exemple aussi de ce qui peut être découvert, un bel exemple entre guillemets, C'est quand même un exemple assez significatif de ce qu'on peut avoir en archéologie et pour cette période. Bien sûr, mais ça me fait justement penser à une sépulture collective là, de soldats français qui avait été découverte dans les années 90, je crois. Et en fin de compte, c'est pareil, ils ne savaient pas trop qui c'était et ils étaient justement tombés sur une plaque d'identification qui marquait Alain Fournier. Donc l'auteur du Grand Maulne qui est décédé donc en 1916 je crois, et du coup ça avait permis de refaire toute l'histoire de cette sépulture parce que on savait que il était décédé telle date dans telle bataille etc. Donc c'est toujours c'est émouvant parce que on est vraiment dans l'intimité de ces soldats et on les côtoie dans les derniers instants de leur vie ou les premiers instants de leur mort. Donc c'est vrai que c'est toujours toujours émouvant. Et puis c'est vrai que quand on y pense, peut-être que c'est des gens qui ont pu connaître nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Donc il y a toujours toute cette dimension mémorielle en fait. Et d'où l'intérêt aussi de l'archéologie. C'est vrai qu'on peut dire c'est tellement récent, qu'est-ce que l'archéologie vient faire dans l'étude de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. Et heureusement qu'il y a ces fouilles-là, en fait, qui permettent aussi non seulement de pouvoir redonner des corps aux familles qui ont perdu quelqu'un, mais aussi qui complètent un peu les sources qu'on a. Au XXe siècle, on a les photos, on a les archives, mais on se rend compte que tout n'est pas complet, en fait, et l'archéologie permet de combler certains blancs qui peut y avoir dans les sources. Par exemple, comme tu dis, même si on connaît le déroulé des grands conflits mondiaux, l'intérêt de l'archéologie sur ce type de sépulture, ça va être de s'intéresser, par exemple, aux conditions sanitaires des soldats. Du coup, est-ce que voir est-ce qu'il y a eu des périodes de stress dans l'alimentation, est-ce que les conditions permettaient avec toute la culture matérielle, l'artisanat de tranchées et tout, ça permettait d'occuper le temps, si je puis dire comme ça, etc. Donc il y a vraiment vraiment beaucoup de choses et du coup cette question de la sépulture nous amène transition à nous poser la question et à vous poser la question.
est-ce que les archéologues ont le droit de déranger les morts? Alors, je vais mettre tout de suite de côté... Beau débat ce soir, beau débat. C'est ça, je vais mettre de côté tous les détectoristes qui, avec leur poil à frire, viennent piller la tombe de différents soldats, d'autres sites archéologiques. Ça, pour moi, je mets ça de côté. Là, on va plus s'intéresser à un discours scientifique autour de l'apport de l'archéologie à l'étude des sépultures. Mais quelle que soit leur période, hein, là, c'est vrai qu'on s'est intéressé particulièrement à la Grande Guerre, mais on rencontre des sépultures toutes les époques. Hein. On en parlait justement là, il y a deux semaines dans le cadre des relevés archéologiques. Donc, bah, tout à fait. Vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, moi, j'ai un problème un peu avec ça, j'avoue. Mmh. Bah, d'où l'idée de mettre ça aussi dans l'émission, bien sûr. Hein, mais je fais quand même la différence avec ce qu'on vient de voir, des sépultures qui, pour moi, sont provisoires, en fait. Des soldats tombés à la guerre, on les enterre parce que... Bah, c'est bête et méchant, mais et un peu moche, mais c'est pour pas qu'ils soient dérangés par les charognards. Enfin, il y a beaucoup de problématiques comme ça. Là où ça me gêne plus, c'est quand on va toucher à des sépultures qui sont censées être définitives, c'est-à-dire avec un rite autour, avec une croyance de la personne qui est là. Tu vois, je pense à... C'est Jeanne de Quingot. Louise de Quingot, au couvent des Jacobins. Qui a été, dont on a trouvé le cercueil en plomb lors de la fouille du couvent des Jacobins à Rennes. Et un très beau cénotaphe aussi. Ouais, très beau. Ah oui, c'était une fouille extraordinaire. Et tu vois, qui est enterrée par exemple avec le cœur de son mari et son cœur à elle avec le cercueil de son mari. Ça me gêne en fait qu'on détruise. Enfin, c'est purement philosophique, hein, quelque part, et éthique, mais. Dans la mesure où il y a un rite qui entoure tout ça, que les gens croyaient, avaient certaines croyances, pour remonter plus loin, si tu vas dans les tombeaux des pharaons, ou... tu vois ce que je veux dire, c'était la mort est entourée d'un rite, parce que telle époque, on croit que on va passer dans l'au-delà, que machin, il faut tel et tel rite pour. Ça me gêne un peu. Enfin, si c'était moi, j'aimerais pas qu'il y ait des mecs dans 200 ans qui viennent désinguer ma tombe. Non, je peux comprendre. Mais c'est... Bon, bref. Okay. Petite question encore. Est-ce que c'est pas... Enfin, moi, du point de vue de la régie qui n'y connaît pas grand-chose, moi, je me dis que dans le cas de ce que tu nous présentais, Anaïs, à savoir donc, des soldats ou des personnes décédées à la guerre, ça participe aussi un peu de leur mémoire et de savoir qu'ils ont été là, ils ont vécu cet événement atroce. Oui, tout à fait. Mais c'est ma partie débat un peu nulle. Je mets ça à part parce que là, effectivement, ça permet de retrouver ces corps-là. Là, c'est vraiment un contexte de conflit qui est très particulier. Ça permet justement de les retrouver et de leur redonner une sépulture. Merci, Pat. Et de leur redonner une sépulture définitive et choisie quelque part par leur famille. Je trouve que c'est un autre problème quand on va dans une nécropole, je sais pas, dans un cimetière mérovingien ou dans une tombe de pharaon, où on va détruire une sépulture, en fait. Pour l'étude. Après, il y a l'intérêt scientifique derrière que je comprends, mais ça, enfin, d'un point de vue moral, ouais, mais... ça me gêne. Moi, je comprends, mais j'ai plutôt le sens. Enfin, c'est plutôt c'est vos questions dans le mon côté ouais, scientifique bien, et archéologue, futur archéologue qui parle. C'est, enfin, ça permet de mieux connaître, en fait. Mais après, je comprends aussi ce côté un peu moral. Mais c'est pour ça qu'on choisit des sujets de débat où on n'est pas d'accord. C'est sûr. Mais moi, j'en avais discuté une fois sur un site de fouille. Justement, tu parlais de Mérovingien. On fouillait des nécropoles mérovingiennes. Et il y avait toujours quand on fait des visites sur le site, il y a toujours des personnes qui sont un petit peu choquées, surtout les personnes âgées qui, dans leur conception religieuse, judéo-chrétienne, vont être assez, choquées qu'on aille déranger les morts. Et un jour, j'en avais discuté avec un curé qui m'avait dit, mais de toute façon, là, en l'occurrence, cette terre-là, elle n'est plus consacrée. Mmh. Hein, l'abandon du site a fait que le cimetière a perdu son caractère sacré. Et par contre, quand il m'avait dit, quand ça arrive, hein, qu'il y ait des fouilles dans des cimetières actuels,
excuse-moi, juste relever la petite remarque dans le chat. On a un avis très intéressant dans le chat. Tant qu'il n'y a pas de malédiction qui nous saute dessus, on peut aller déranger les morts. Alors, tout en camon, on va le mettre de côté, du coup. On salue d'ailleurs les gens dans le chat, Anne, Thomas, Arnaud. Merci à vous d'être toujours fidèles à nos émissions. Mais oui, du coup, il m'avait dit pour les cimetières actuels, il m'avait dit de toute façon, tant que les ossements restent sur une terre consacrée, d'un point de vue religieux, il n'y a aucun problème. Après, bon, d'un point de vue scientifique, c'est pas des questions qu'on doit se poser. Moi, personnellement, ça me choque pas, hein, qu'on fouille un cimetière, quel que soit cimetière ou une nécropole, parce que derrière, il y a un intérêt scientifique. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Je parlais tout à l'heure de l'état sanitaire des populations. Ça va nous permettre de nous apprendre sur quand c'est possible, hein, bien sûr, l'alimentation de ces populations, le recrutement funéraire. Donc, voir si on n'a pas, selon la taille du cimetière. Qu'est-ce que tu appelles recrutement funéraire? J'y viens. Ah, pardon. Voir si on n'a pas des zones qui vont être dédiées, non, il n'y a pas de souci. Des zones qui vont être dédiées, par exemple, aux hommes, des zones dédiées aux femmes, des zones dédiées aux enfants, etc. Et voir s'il y a une hiérarchisation, le niveau social à travers la sépulture. Parce que forcément, en fonction du rang social de la personne, on n'aura pas les mêmes. On a une question dans le chat. Alors, déjà arrivé en fouillant un tombeau qu'on découvre un message disant je ne veux pas être fouillé? Moi, je mettrais ça sur ma tombe. Foutez-moi la paix. Ce sera l'épitaphe, Marie. Voilà. Moi, j'ai pas connaissance de ça. Non. Pour Xavier, on verra. Hein. Ouais, on vous tient au courant. Petite dédicace encore une fois à mon ami Xavier. Non, je rigole, hein, c'est pas mon camarade. Mais... Non, mais voilà. Donc, encore une fois, on a encore aujourd'hui des avis très partagés, hein, dans le débat. Forcément un sujet sensible. Ouais. Bien sûr. Mais en tout cas, sur le plateau, mais je pense que ça sera pareil chez nos auditeurs. Si je résume, on aura ceux qui... D'un point de vue mémoriel, vont être partisans de ce type de fouille, mais par contre, d'un point de vue éthique et moral, vont se dire non, il ne faut pas qu'on dérange les morts. Et d'un autre côté, on va avoir tout l'aspect scientifique où là, on va être plus. Il faut fouiller pour avoir des connaissances sur les populations. Quoi. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est un débat, encore une fois, un éternel débat où on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Mais pourtant, la fouille des cimetières, la fouille des nécropoles apporte énormément de données. Hein. Enfin, bien sûr. Là, tu parlais... Ah, mais c'est indéniable. Tu parlais de la tombe de Louise de Quingo. Là, franchement, on a un magnifique exemple de cette dimension rituelle autour... autour de la tombe pour une élite sociale. Donc, pour la petite histoire, pour nos auditeurs, Louise de Quingo, donc c'est une femme du XVIIe siècle. XVIIe ou XVIIIe? Là, j'ai un doute. XVIIe, je crois. XVIIe. Et du coup, sa tombe, donc elle a été enterrée avec toute sa garde-robe, donc mise sur elle. Elle a été enterrée dans une sépulture, un sarcophage en plomb, avec un cénotaphe, donc un sarcophage pour le cœur de son mari qui était posé dessus. Et ça a été découvert au couvent des Jacobins. Parce que c'était une tradition, ça, en fait, à l'époque. Oui, c'est ça. On enlevait le cœur et on pouvait l'enterrer ailleurs. C'est ça, c'est des modes parce qu'elle a été embaumée, etc. Oui, etc. C'est super intéressant parce que ça permet justement, avec cet exemple, d'illustrer toute cette dimension rituelle autour de ça. Pour l'information, 17e Louise de Quingo, je viens d'aller vérifier. 17e, merci la régie. Toujours sur le coup. Il y a aussi la question des pillages. Évidemment. Si les archéologues ne fouillent pas certaines tombes, c'est les pilleurs qui vont le faire. Donc il y a couvent des Jacobins, il y avait peu de chance. Mais bien sûr, certains cas... Moi, je suis d'accord avec Anaïs là-dessus. Quand tu regardes en contexte rural, on va retourner sur les Mérovingiens. Les Mérovingiens, enfin l'époque mérovingienne, fait quand même l'objet d'un gros, gros, gros pillage. T'as qu'à regarder sur Internet le nombre d'objets, mérovingiens qui sont vendus. Et pour certains objets, tu sais pertinemment que ça vient d'une sépulture. Quand tu as des petites agrafes de linceul,
Oui, il y a peu de chances que ça vienne. Ou alors des bagues sigillaires ou autres. Hein. Enfin, c'est des exemples qui me viennent en tête. Mais bah, moi, je suis totalement d'accord avec Anaïs. Si les archéologues ne se chargent pas des études comme ouais, ça, côté ça va être, des pilleurs ouais, okay. peu scrupuleux qui vont faire ça dans une dimension, dans une dimension pécuniaire. Mmh. Et du coup, bah, l'intérêt, là, c'est zéro. Quoi. Mis à part un enrichissement personnel de monsieur Truand. Monsieur Truand. Mais bon. Ouais, ok. Voilà. Bon. Après, oui. En tout cas, hyper d'accord quand même. Mais non, mais il y a quand même cette dimension muséale derrière. Après, bon, moi, ce que je vous propose, en tout cas, ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront en rediffusion, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous pensez. Et on s'efforcera de répondre, partager et tout, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir cette interaction entre, déjà nous sur le plateau, mais également avec notre auditoire, quoi. Bon, bah écoutez, on va aller vers. Excusez-moi. Il faut qu'on accélère. On va aller, oui, parce que ça. Là, on va essayer de tenir les délais. Je vous propose de refaire un bond dans le temps, d'aller dans quelque chose qui nous est un peu plus proche, un peu plus gay également. Aussi. Et on va parler du vintage. Yes. Pas du rétro, hein. Le rétro, c'est dehors. Hein. C'est le vintage, ce soir. Et donc, on doit avoir un petit bandeau, cher Pat. Allez, bandeau. Suge 2. Un bandeau Suge 2 et une vidéo Suge 2. Et une également. Vidéo Suge 2, et c'est parti. Oui, petit sujet sur le vintage. Je voulais vous en parler cette semaine parce que... Alors, j'ai pris l'exemple à Rennes parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, en fait. Surtout à l'approche de Noël, on sent que... Oui, oui. Il y a pas mal de trucs qui s'organisent le week-end dernier. Est-ce que ma grand-mère, c'est vintage? Pas encore. Ça dépend, elle a 70 ans. Il y a eu pas mal d'événements le week-end dernier autour de ce phénomène, parce que c'est vrai que le vintage, en ce moment, on en voit un peu partout, un peu à toutes les sauces. Donc là, vous avez quelques images du salon du vintage qui s'est tenu le week-end dernier. Au couvent des Jacobins. On y revient. Voilà. The place to be. Au-dessus de la tombe de cette chère Louise, la pauvre. On pense à elle. On la salue, d'ailleurs. Big up. Donc, des petits salons sympas. Dans le même temps, il y avait aussi une brocante qui était à la Halle Marteneau, donc place des Lys, pour ceux qui connaissent un petit peu Rennes. Il y avait beaucoup de choses. D'où l'idée aussi de s'intéresser un petit peu à ce phénomène-là et qui touche aussi tous les domaines. Moi, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'on parle aussi bien de mode, de décoration, de mobilier, de voiture, de oui, c'est vrai, tout ce qu'on veut, même de musique aussi. Il y avait beaucoup de vinyles à vendre, ça revient très, très fort en ce moment. Il y avait ce petit studio photo très sympa, vraiment avec les techniques à l'ancienne, on pouvait se faire photographier. Oh, c'est chouette. Très, 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 très sympa. La guerre est au type. C'était pas si vieux que le daguerréotype quand même. Ah, on était plus sur du... C'était de l'argentique, mais... Ouais, l'argentique, ouais. Plus sur des techniques 1900-1920. Daguerréotype, c'est quand même plus vieux. Ah, du cyanotype, alors. C'est plus récent que le daguerréotype. Oui, mais c'était pas cyanotype. Là, on a un débat dans le débat. Donc, oui, bref. Les frères Lumière prenaient les photos. Donc, oui, c'est vrai qu'on en... Comment ? Les frères Lumière prenaient les photos. C'est ça. Eux, ils sont vintage, par contre, contrairement à ta grand-mère. Alors déjà, du coup, en bossant le sujet, j'ai appris un truc, mais j'ignorais. Est-ce que vous savez d'où ça vient le terme vintage ? Bon, c'est anglais évidemment, mais en fait, c'est un terme d'œnologie. De ma grand-mère. Non plus. Ah, bah non. J'ai vérifié. Alors. Non, c'est pas elle. C'est ça. Il y a eu d'autres mecs avant qui y avaient pensé. Ok. Et en fait, c'est un terme d'œnologie. D'accord. Puisque ça veut dire millésime. Donc pour le vin, les Anglais parlent de vintage. Ah ouais, ok, ouais, c'est curieux. Ouais. Je l'ignorais totalement. Et en fait, c'est depuis les années 80 qu'on utilise ce terme vintage, en français, avec le bon accent. Quelqu'un trouve un synonyme. Vintage ou mauvais goût, où est la frontière? Ce sera notre prochain débat. Mais il n'y a pas que des trucs de mauvais goût. Bon, après, là, j'avoue, tu te balades à la fac, t'as l'impression d'être dans un épisode d'Hélène et les garçons. Ça ouais, te fait mourir de rire. C'est vrai qu'il y a tout un... Mais la mode, quoi. Ouais, voilà, sur la mode, c'est un peu... un regain d'intérêt, mais c'est un peu dommage. Sur la mode, c'est un peu... Il y a des trucs compliqués. Ouais, mais même d'un point de vue... On ne juge pas comment les gens s'habillent. Non, c'est sûr. Non, mais d'un point de vue objet, c'est vrai que... Bon, moi, je fais pas mal les brocantes. Et brocante, braderie, etc. Et c'est vrai qu'il y a encore 5 ans, 10 ans, des objets qui se vendaient à 2 francs 6 sous. Mm. Bah maintenant, vu que c'est la mode,
ouais. et qu'on on fourre tout derrière la notion rétro et vintage. Mm. Exactement. Moi, je trouve ça bien. Alors, On le voit aussi beaucoup dans les ventes aux enchères. En fait, en ce moment, ce qui marche très fort, c'est le design des années 50 à 70. Ouais. Enfin, à différents niveaux, mais globalement, la période... Et ça fait des prix, non, c'est fou, des prix énormes. Hein. On ressort un peu de l'oubli des designers ou des créateurs qui se vendaient peu ou très mal. Et on, oui, bah, c'est ça, comme tu dis. Ce qui m'avait marqué, c'était le retour du Formica. Ouais. Ah oui, alors ça... Tu vas sur le Bon Coin acheter une chaise partout. En Formica, ça coûte 80 balles la chaise. Putain. Enfin, moi, je trouve ça... J'avais une mine d'or, moi, dans mon... Mais c'est ça, on achetait des trucs... oui. Non, mais c'est vrai. Et moi, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que... Bah, t'as certains, à l'époque, certains designers et tout, qui se vendaient pas forcément bien. Ouais. Mais aujourd'hui, comme on a cette notion vintage... Mm. Les prix flambent énormément, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant, et puis c'est vrai que on l'a à toutes les sauces, quoi, le vintage. Bon, là, le salon du vintage à Rennes, l'année dernière, on en a eu un. Tu regardes les... Au niveau des automobiles, qui existent depuis longtemps maintenant, mais tu as le salon rétromobile qui a lieu tous les ans à Paris. Oui, c'est vrai. Non, tout à fait. Qui se développe de plus en plus. La collection de voitures anciennes aussi augmente. On voit de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Avant, c'était plutôt des riches retraités qui se payaient une belle DS ou une belle 504. Aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus de gens, même jeunes, qui s'y intéressent. On voit aussi toutes les voitures que nous, on a connues petites, toutes les golfs, les premières golfs. Non, mais je suis d'accord. Les R5, les Twingo. Bientôt les Twingo qui vont tomber. Bientôt le Fiat Multipla, si vous en avez un dans votre garage, bichonnez-le. Ne le jetez pas. Dans 10 ans, ça vaut une fortune. Non, mais ça, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, les véhicules deviennent véhicules légalement de collection à partir de 30 ans. Ah, c'est 30 ans, de leur production. Ah, 30 ans à partir de la fin de production, ok. Donc les premières, les Golf 1. Ouais. Par exemple, elles sont tombées, ça y est, en collection. Donc, ça participe aussi de ce mouvement où on redécouvre un peu les objets, les véhicules, les fringues de nos mamans, de nos grand-mères. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'avoue que bon, il y a des trucs parfois qui frôlent un peu le mauvais goût. Mais oh, magnifique! Regardez-moi ça. C'est la technologie. Là, on peut applaudir la régie. Bravo la régie. Merci à la régie. Là. C'est que c'est le début, bon boulot, mais petit à petit, on monte grandit, en gamme, quoi. On et voilà. Ah là, ouais. Et c'est pas fini. Il y a deux semaines, c'était l'artisanat. Dans deux semaines, c'est l'industrie, les gars. Notez-le bien. Hein. C'est Hollywood. Et voilà, c'est ça. Bien sûr. C'est lourd. Enfin voilà, je trouvais intéressant de faire un petit focus sur ce phénomène vintage qu'on retrouve effectivement dans, vous me disiez, tous les domaines mode, ouais, etc. Sûr. Et dans tous les médiums aussi de diffusion, dans tous les médias de diffusion, c'est-à-dire que ça peut être de la brocante, ça peut être de la vente aux enchères, ça peut être la musique, on voit énormément de marques qui ressortent aussi des platines vinyles. Oui, oui, c'est vrai. Le marché du vinyle, c'est devenu assez dingue, alors qu'il y a 10 ans, tous les disquaires ont fermé parce que tout le monde s'en fichait. Même les magasins de vêtements. Aujourd'hui, tu vas dedans, les vêtements, que dans certains magasins, il n'y a plus que ça. Enfin, ouais. Mais bien sûr, mais moi... Ils ont rouvert Kilo Shop, la place de la mairie. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que... tu vois, par exemple, la mode, les fringues et tout, tu prends les friperies. Les friperies, à l'origine, c'est des trucs qui vont te coûter que dalle. Bah oui, et là, on perd et ce côté-là, justement. Après, ça dépend des friperies encore. C'est celles qui jouent sur le... Oui, mais là, sur la mode. Mais normalement, à l'origine, tu vois, une friperie, c'est tu vas t'acheter un jean Levi's, une paire de Doc à pas cher. Maintenant, tu vas dans toutes les friperies. Regarde Doc Martin, si tu veux avoir les bonnes adresses. Oui, pas toutes. Mais pas celles qui sont en centre-ville. Pas toutes, mais c'est vrai que tu vas dans la plupart des friperies. Maintenant, c'est limite, je vais pas dire aussi cher que du neuf, mais on a quand même. C'est ça. Parce qu'il y a cette dimension vintage, rétro, ça revient à la mode. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de magasins qui jouent dessus, mais. Après, il y a des friperies qui, je rassure quand même ceux qui vont en fripe. Oui, il y a quand même des friperies qui ont des tarifs de friperies classiques. Quoi. Et donc, il y a des bonnes friperies à Rennes, je trouve. Oui, il y a quand même deux, trois bonnes adresses et on vous les donnera sur les réseaux, soyez sûrs. Et donc, toujours aussi, un peu ce que je disais tout à l'heure avec les objets de tranchées, ce qui arrive dès qu'un phénomène est un peu à la mode comme ça, c'est les copies. Oui. Alors en mobilier, en objet de déco, il y a énormément du coup quand quelque chose est lucratif, bien fait sûr, de la copie. Donc renseignez-vous quand même avant d'acheter
des objets soi-disant anciens. À des prix pas possibles. Voilà, je défends toujours ma boutique. Allez voir les professionnels, quoi. N'achetez pas ça sur... sur les sites les internet. Sites de vente. Moi, j'ai acheté ma grand-mère une fortune. Hein. Je pense qu'elle est vintage. Et ça valait le coup ou pas? Non, clairement pas. Non. Mon Dieu. Quel bon. Enfer. Donc, voilà, chose à ajouter. C'était le petit, le petit sujet de la semaine. Et donc, si vous aimez les trucs avec un peu de cachet, mais moi, c'est ça que j'aime quand même dans ces phénomènes-là. C'est que même si c'est cyclique, bon, là, on est sur cette période-là. Peut-être que dans 10 ans, on repassera, je croise les doigts, sur le mobilier 18e, ma passion. On se reverra, on fera une émission dans voilà, 10 ans. Dans 10 ans. Okay. On fera un petit bilan. Le 16 décembre 2031, on fait un bilan. On sera là. Okay. Sauf si c'est un dimanche. Mais non, bah, y a plein de, voilà, y a plein de moyens en tout cas d'acquérir des objets sympas, un peu anciens, qui ont un peu de cachet, de oui, déco. Ouais, allez, vrai, voir, allez dans les brocantes, allez chez les antiquaires, dans les ventes aux enchères. Les vide-greniers aussi. Les vide-greniers, oui, bah, ouais. Tout, ouais, je mettais ça dans. Non, mais. Ouais, parce non, que c'est... les gens ne pensent pas parfois qu'ils. Alors, ont des le mobilier trésors, 18e, ouais. C'est du mobilier du 18e arrondissement. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai siècle, que c'est confusant, on pourrait croire, mais non. C'est du mobilier fabriqué entre 1701 et 1799. Enfin, et 1800. Allez, 1800. Arrondissement. Arrondissement. Arrondissement ou ouais, arrondissement alors, en plus, c'est un arrondissement. Voilà, c'est ça, je l'attendais, merci. Merci Régie. Ah bah écoutez, sur cette petite touche humoristique, je ne sais pas, on va enchaîner sur notre petite touche lucratif. Non, récréatif. Récréatif, si on n'est pas là, on n'est pas payé. Allez, un petit jeu. Bon, j'en avais préparé ludique, trois. Ludique, merci. C'était ludique. Donc, bon, on a question pour un champion. C'est surfait, donc nous, on a décidé de créer bah oui, c'est une autre sauce, hein. Question pour un artiste. Bon, j'en ai préparé trois, mais je vois que l'heure tourne, donc on va peut-être en faire qu'un pour ce soir. Et puis, à la limite... Allez, on va en faire deux. On va en faire deux. Mais sinon, on mettra sur les réseaux aussi pour faire jouer les gens qui nous c'est suivent. C'est ça. Tu vois. On en fait deux sur le plateau. Et le dernier, on dit rien. On le montrera, voilà, on passera voilà, un peu les de temps. Deux, mais... J'ai deux hommes, une femme. On fera la femme, forcément, pour oui, on va... Évidemment. Hein. On va commencer alors, par la femme, d'ailleurs. On va commencer par la femme. Alors, commençons par la femme. Voilà. Bon, c'est pixelisé, c'est exprès. Alors, vous êtes censé deviner qui c'est, je vais vous donner des indices. Où est ma feuille? Là. J'essaye de la passer devant. Pour que les gens voient. Ah oui, oui, on va passer la réponse devant surtout, parce que là, c'est pas. Non, mais si, c'est, ouais. ça serait pas Allez. Mal. Donc, on cherche cette femme. C'est une actrice française. Je suis pas bon en cinéma. Elle est née entre le 22 et le 25 octobre 1844. On ne se connaît pas la date exacte de sa naissance. Alors, attends, il faut que je prenne des notes, parce que sinon, dans 5 minutes, j'ai oublié. Donc, tu m'as dit 1822. 1844. Actrice... Ah, 18... Oh là 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 là. Et elle est décédée. En 1923, à Paris. Sarah Bernhardt. T'as bravo. Oui. Oh la vache, bravo. Bah, c'est Sarah Bernhardt, effectivement. Bah, bravo, bravo Régie. Bravo Pat. Vous allez pouvoir faire les deux. Non, non, bravo on, Pat, patrimoine. On en non. garde, on gardera le dernier pour notre public. Bah, franchement... Je suis pas sûre que j'aurais trouvé. Ouais, moi non plus. Donc, elle a eu plusieurs surnoms, la Voix d'Or, la Divine ou l'Impératrice du Théâtre. C'est la première comédienne du monde à avoir fait des tournées sur les 5 continents. Okay. Quand même, faut le savoir. Belle femme d'ailleurs. Et elle a aussi joué des rôles d'hommes. Elle a joué Hamlet, elle a joué. Ok. Non bah l'aiglon franchement, aussi. Alors à l'avenir, c'est une petite suggestion, mais évite les acteurs et tout ça. Je suis vraiment une. Oui, mais la Sarah Bernhardt quand même. On s'intéresse à un public, hein. Ouais, on s'adresse voilà. à un public. Ouais, mais moi je veux le trouver. Bon, alors le deuxième, vous voulez un écrivain ou un peintre? Moi, je veux Sarah Bernhardt. Ben, c'est fait. Non, vas-y, à suivez, toi l'honneur, Anaïs. Non, mais que ce soit l'un ou l'autre. Écrivain ou peintre? C'est quoi le plus facile? Mais les deux sont faciles. Allez, écrivain, c'est bon, ben, voilà, vous n'êtes pas assez rapide. Oh, facile. Donc, qui est cet écrivain français, toujours? Il est né le 24 juillet 1802. Dites rien, Régis. Est-ce qu'on est sur un portrait de Nadar? Tout à fait, exactement. Ça se voit. La régie envoie du lourd ce soir. Ah oui, c'est vrai que la régie. C'est très bien que tu en parles parce que je pense qu'on fera un sujet sur l'histoire de la photographie un de ces jours. Bah, c'est un sujet qui me plaît bien. Donc, ah oui, et puis c'est tout à fait intéressant, surtout les travaux de Nadar, très reconnaissables. Personnellement, je pense avoir la réponse. Là, tu attends un peu, laisse-les chercher. Note-la sur un papier qu'on vérifie que tu triches pas. Donc, je disais, il est né en 1802 à Villers-Cotterêts et il est décédé en 1870 à Dieppe. Il a commencé par écrire du théâtre. C'est un auteur proche du mouvement romantique.
Au départ, il a commencé à écrire du théâtre, puis du roman historique. Tout à fait. Vous êtes en train de vous prendre une raclée par Pat Le Guen. Il est facile. Il n'est pas compliqué. Allez, un autre indice. Il y a eu un fils et un père. Oui, comme tout le monde. Oui, mais avec le en même tout nom. Cas, un père. Tout le monde a eu un père. Avec le même nom. Le même nom ou le même prénom? Les deux. D'accord. Ah, on a une réponse dans le chat. On a une réponse. Non, ce n'est pas Flaubert Bernadette, désolé. Bien tenté, mais non. Il a écrit La Reine Margot. La Reine Margot, eh oui, évidemment. Il a écrit Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, évidemment. Ah, quand bon, même, vous ne l'avez pas avec ça. Tu ne l'as pas. Moi, j'avoue, j'ai. Et il a écrit, surtout le plus connu, je pense, Les Trois Mousquetaires. Il a été incarné par Gérard Depardieu au cinéma. Le comte de Monte Cristo. Non. L'auteur. Eh oui, c'est trouvé dans le chat, c'était Alexandre Dumas. Bravo. Moi, j'attendais que tu le dises. Bien sûr. Non, je l'avais, bah, ça se voit que c'est Dumas. Ah, la tablette est éteinte. En plus, tu vois, mort à Dieppe, c'est un petit peu le. Comment dire, le. Le place to be. Non, mais tu regardes, enfin. Quelqu'un qui avait également trouvé la réponse. Ah, bravo. Tu regardes. Alors par contre, Pat, je vais vous demander un petit coup de main parce que le. Ah si, c'est bon. Ça mériterait vraiment qu'on s'y intéresse à la Normandie terroir d'artistes. On en a beaucoup, hein. Bon, Dumas qui est mort. Ensuite en natif, Maupassant, Barbet d'Aurevilly et d'autres. Tu vas nous faire un petit topo. Ouais, petit, si vous voulez, bah, je pourrais même vous faire des photos et tout, j'adore. On compte sur toi. Je suis normand, hein, pour ceux qui le savent. Oui, je crois que. Voilà, bah écoutez, sur ces deux défaites. Tiens, Joe, je te laisse. Sur ces deux défaites du plateau. Elle s'est mise en veille et du coup. Ok, je connais. Je ne peux plus rien faire. Et du coup, on est caché derrière Alexandre Dumas, pixelisé. Sur ces deux défaites, je vous propose qu'on passe à la dernière. Là, on ne dit rien. Enfin, mis à part les quelques indices. Ah, tu veux qu'on fasse le dernier quand non, même non, non, mais pour nos auditeurs. Ah oui, on peut l'afficher. Et voilà, et on dit rien, ensuite on terminera. Cupé à 3 et on vous le mettra sur les réseaux. C'est ça, donc vous Marie jouer. Va vous dire les... Ah, non, c'est pas elle. Ah, c'était Sarah Bernard. Yes. Ah oui, non, cupé à 2, pardon. Fort, hein. Est-ce qu'il se passe de 2 Du coup, il va pas vous donner grand-chose. Bah oui, quand on connaît le tableau... Aussi. Mais ça, on vous le mettra sur les réseaux, ce sera est-ce donc que, un peintre qu'on français. Peut mettre en, sur... Ah oui, sur nous. Bon, ça ne voilà, mettra pas grand-chose. On cherchera donc un peintre français qui est né en 1848 à Paris et qui est mort en 1903, qui a été l'inspirateur d'un mouvement pictural qui s'appelle le synthétisme. C'est un des peintres majeurs du 19e, un des précurseurs de l'art moderne, donc avec Van Gogh, Klimt... Et je ne vais pas vous donner tous les indices parce qu'après c'est trop facile, mais vous l'aurez sur les réseaux. Voilà, donc bon courage. On attend quand même que. On vous met ça demain sur les réseaux. Que vous on donnera la réponse. Oui, et le gagnant rentrera au Hall of Fame d'Inarte Veritas. C'est sûr. Ça. On le citera la prochaine. Il viendra un jour sur le plateau. On le citera en direct. Évidemment. Et ben voilà, bah écoutez, vraiment ce petit support de jeu, je trouve ça vraiment sympa. Et bon, bah. Pour une émission patrimoine et culture, on est vraiment nuls. Non, mais parler d'une archéologie plutôt, ça il faut sortir de sa zone de confort. Moi, mis à part le Moyen-Âge, je connais personne. Non, je dirais pas que vous êtes nuls parce que les deux premiers sujets, moi j'y connais rien, c'était passionnant, donc merci à vous. Ah, voilà. Merci, Pat. Merci, Pat. Alors, ce que je vous propose, on s'approche de la fin de notre émission. Je vous propose que l'on se quitte sur la sélection de la rédac. Tout à fait. Donc tout d'abord, pour creuser, vous savez, je réexplique un petit peu le contexte, mais pour creuser, ça, on vous donne quelques références, Anaïs, tu sors. quelques références bibliographiques pour approfondir les sujets que l'on a traités aujourd'hui. Donc moi, j'ai ouvert le bal avec l'archéologie des grands conflits. Je vais clôturer l'archéologie des grands conflits avec cette référence. Donc tout d'abord, moi je vous propose ce livre qui a été publié en 2008 aux éditions Ouest France avec le soutien de l'INRAP. Donc l'INRAP, l'Institut National de la Recherche en Archéologie Préventive. Il a été publié sous la direction de Yves Desfossés, Alain Jacques et Gilles Priot. Et pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet, qui n'ont pas encore
acheter leur cadeau de Noël. Le char, d'ailleurs. Vous, oui. Oui, d'ailleurs, le char que Anaïs vous a présenté, il fait la une. mais je vous propose, enfin pour ceux qui n'auraient pas encore prévu leur cadeau de Noël, je vous propose de l'acquérir. Il coûte une quinzaine d'euros. Il est disponible dans toutes les librairies. C'est vraiment un très 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 bon ouvrage, dans le sens où... On soutient les petits libraires. Toujours. Les indépendants. Les indépendantes. Et du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, pardon. Je voulais juste aussi préciser qu'il y a celui-ci sur la Grande Guerre, et en fait, il y a un deuxième tome qui est sorti sur la Deuxième Guerre mondiale aussi, collection. C'est ça. Alors, on l'a pas vous mis. Vous pouvez aborder les deux... En fin de compte, aux éditions Ouest-France, ils ont, pour chaque période historique, ils ont sorti un bouquin, l'archéologie 2, l'archéologie du Néolithique, l'archéologie du Haut Moyen-Âge, etc., etc., jusqu'à l'archéologie de la Grande Guerre et l'archéologie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même des publications accessibles. L'intitulé pour la Seconde Guerre mondiale, c'est Archéologie du Débarquement, je crois. Oui, c'est oui, ça, c'est oui, ça. Tout à fait. Ouais, ils tout ont à fait. Ciblé, oui, sur, le, sur la Normandie. C'est... Ouais, tout à fait. Je sais pas si c'est que sur la Normandie, mais en tout cas le titre. Beaucoup quand même, je crois. Et du coup, sur la Deuxième Guerre, c'est là où la majorité des fouilles ont été faites. C'est ça, ouais. Pardon. Et du coup, pour ce, c'est pas grave. On va se battre après. C'est ça. Non, du coup, pour ce livre, il s'intéresse à la part de l'archéologie préventive dans la connaissance de la Grande Guerre. Il y a tout un questionnement qui est apporté sur l'intérêt de ces études, sur la place du coup qu'occupent ces périodes historiques dans la sphère scientifique et plus particulièrement dans la sphère archéologique. Et comme le disait Anaïs, c'est vraiment un ouvrage qui est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir des études en archéologie pour le lire. C'est vraiment un ouvrage qui est très didactique et moi je vous le conseille pour un premier jet pour approfondir. Après, si il y a une un très bonne. Qui intéresse. Ouais, tout à fait. Et puis il y a une bonne bibliographie après pour aller encore plus loin. Quoi. Donc, À l'approche des fêtes, c'est le cadeau idéal. Voilà, c'est ça. Oui. moi j'ai mis un bouquin aussi pour rester sur le thème du vintage, le style des années 50, l'intégrale. Alors ils ont mis années 50 mais ça déborde un petit peu. J'ai pas noté l'auteur, je suis vraiment courge. C'est marqué ouvrage collectif. Dominique Bradbury, c'est bien ce qu'il me disait là. Si je l'avais en fait. Alors on l'excuse, c'est la stagiaire, elle a pas l'habitude. Ouais, Mais votre bouquin très bien fait, très complet, qui va aborder un petit peu tous les domaines qu'on a évoqués, que ce soit la déco, le mobilier, le textile, les affiches, la musique, il aborde un petit peu tout. Il donne des conseils aussi pour des gens qui voudraient collectionner, commencer une collection ou faire des achats de design de ces périodes-là. C'est très bien fait, c'est très bien illustré. Beau cadeau de Noël aussi, si vous voulez. Vous pouvez me l'offrir dans le chat. On y pensera. Et moi, je vous ai mis une page qu'on trouve sur le site internet de l'INRAP, toujours. C'est un dossier, en fait, qui reprend c'est un dossier qui s'appelle « L'archéologie de la Grande Guerre ». Je pense que c'est en lien avec le livre aussi. Tout à fait, ouais. Et ça présente... Enfin, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a la chronologie, il y a des exemples de sites, il y a des images aussi, notamment des équipements de soldats. Et sur toute la thématique, en fait, il y a tout un panel de sites et c'est plutôt creuser, accessible quoi. Et c'est pour creuser. Voilà, pour creuser. J'ai mis le lien dans le chat. Vous avez le lien vers les trois sélections de la rédac notamment ce dossier qui a l'air passionnant. Et je vais le lire de suite. Mais je te le conseille. Tu nous feras un petit résumé pour la prochaine émission. On le recommande. Et enfin, pour conclure, l'agenda de la semaine. Première petite idée de sortie pour ceux qui ne connaissent pas encore. On est en Bretagne encore, je suis désolée si notre public international ne peut pas se déplacer. On pensera à eux la prochaine fois. C'est donc ce site qui s'appelle La Rechauffée, qui est situé à une trentaine de kilomètres de Rennes, sur l'axe Rennes-Angers. Et ce monument, donc c'est un dolmen, évidemment, on l'a reconnu, et qui a la particularité d'être aligné, en fait, sur un axe est-ouest. D'accord. Et qui, à chaque solstice d'hiver, donc je vous en parle parce que, justement, c'est la semaine prochaine, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le conseille, vous voyez, en fait, à chaque solstice, c'est le premier... C'est dur à dire, solstice. Ah, solstice, c'est pas facile. Bah, c'est une certaine heure. Vous avez le premier rayon de soleil
du matin, du 21 décembre. Bon, alors ça marche aussi les 2-3 jours avant, les 2-3 jours après. S'il fait pas beau, on peut retenter. Qui traverse en fait tout le monument que vous voyez et qui va faire ce point là incandescent au fond de la roche. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais je vous promets que c'est un moment c'est incroyable. Déjà, les lumières, elles ont l'air assez. Le site, en plus, avec le premier, le soleil déjà, qui se lève, c'est vraiment top. Ouais, le site à lui tout seul est assez impressionnant déjà. Déjà de base. Donc, et puis, je trouve ça dingue de se dire, on assiste à un truc qui a été calculé il y a 6000 ans. On voit ce que les hommes d'il y a 6000 ans ont construit et ont vu aussi. Enfin, je trouve ça assez bouleversant. Bien sûr. Si vous avez l'occasion d'y aller, le soleil se lève vers entre 9h moins le quart et 9h. Donc c'est la semaine prochaine à essayer. N'hésitez pas à aller faire. C'est ça. Et je vais faire juste une petite précision archéologique. Ah. Malgré ce magnifique spectacle que nous offre le solstice, faut pas oublier que ce type de structure, les allées couvertes, c'est des sépultures et qu'à l'origine, c'est recouvert par une grosse motte de terre. Mmh. Et donc, si vous allez là-bas, faut pas vous dire je vois ce que voyaient les néolithiques. Non, mais le phénomène, c'est oui, ça. Oui, le phénomène de rayon du soleil, oui. Mais par contre, vous n'imaginez pas que les néolithiques voyaient ce rayon du soleil traverser le monument. Je tiens à le préciser parce que des fois, ça peut porter à confusion. Ouais. Ouais. Tout à fait. Oui, ce qu'on voit n'est pas la. C'était recouvert de terre, la structure d'origine. Oui, il y avait un tertre, effectivement. C'est vrai. Merci pour ces. De rien, c'est toujours un plaisir, vous le savez. Alors bon, moi, pour ma part, est-ce qu'on peut mettre en je ne sais pas comment dire, mais vous l'avez compris, la régie. Désolé à Anaïs. Ah non, parfait. Alors ça, c'est très bien. Comme ça, on est tous dans le même sac. Donc moi, je vous propose, la semaine dernière, je vous proposais une exposition à Rennes. Là, on reste toujours dans la Bretagne historique. On va à Nantes, au musée d'art de Nantes. Fais gaffe quand même à ce que tu dis. Oui, alors on va pas faire le débat 44 dans Bretagne, on s'en fiche. La Bretagne historique, donc Nantes. Cette très très belle exposition que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais qui a déjà d'excellents retours, donc qui est au musée d'art de Nantes, qui a ouvert ses portes le 26 novembre 2021 et qui fermera ses portes le 6 mars 2022. Donc, vous voyez sur l'affiche le titre « À la mode, l'art de paraître au XVIIIe siècle ». Ce qui est tout à fait intéressant à travers cette exposition, c'est que la présence de vêtements d'époque, de vêtements de mode, et du coup, l'exposition porte sur les influences entre les artistes, d'une part, et les créateurs de mode. Donc, cette influence mutuelle entre les uns et les autres dans la conception, du coup, de ces phénomènes de mode au XVIIIe siècle. Alors là, du coup, petite blague à part, on est vraiment sur du vintage, 18e. Ah, là, c'est plus du vintage. Mais... non, je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est du bel objet. C'est vraiment du très très bel objet. Et le musée d'art de Nantes est un beau musée. L'exposition temporaire vaut vraiment le détour. Donc voilà, entre les fêtes ou même après, parce que ça ferme quand même le 6 mars, je vous conseille. Vraiment. En plus, si c'est du vintage, vous y croiserez ma grand-mère. Probablement. Raison de plus d'y aller. Prenez des photos si vous la croisez d'ailleurs. Et donc moi, pour l'agenda, j'ai pas de... J'ai fini. Oui, on a pas de visuel parce que c'est pas officiellement publié encore. Non, mais bon, on va faire la petite pub quand même. Alors moi, mon agenda, c'est demain après-midi. Il y a un séminaire très important. Il y a un petit séminaire qui s'appelle Des sources au SIG et qui va avoir lieu sur la plateforme Zoom. SIG, donc Système d'information géographique. Oui, c'est vrai que c'est. Ah, mais je ne sais pas si tu vas le trouver. On mettra sur les réseaux le lien pour assister à la conférence. C'est un séminaire qui est organisé par le laboratoire d'IPAC et le pôle géomatique de l'EHESS, donc l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà. Et du coup, c'est une séance par mois, donc d'historien, de géographe et d'archéologue. Et demain, ce sera notre Thomas National. qui va parler, tu vas évoquer ce que tu as travaillé dans le cadre de ton master
Voilà, ouais. De Tourmaster 2, je sais pas si tu veux. Ah bah ça doit être ça. Non, non, bah, vas-y, vas-y, t'es donc bien parti pour. Qui va s'intituler Dénombrement de feu, aveu et minus. Mesurer les centres de peuplement en archéologie médiévale, le cas de Trans-la-Forêt qui est en Ille-et-Vilaine. Voilà. Mais on félicite Thomas parce que quand même, ça va être sa première intervention post-soutenance de mémoire qu'il a passée avec brio. Évidemment. Voilà, bon bah. Il y a quelques semaines, donc bravo Thomas. Et n'hésitez pas à aller le soutenir et l'encourager demain. Je suis un peu gêné, mais du coup, bah, pour les personnes qui, qui regarderaient cette, ce podcast en replay, pour le séminaire de demain, il sera également disponible en rediffusion sur le site internet du laboratoire d'IPAC et de la plateforme géomatique de l'HESS. Donc voilà. Mais on partagera le lien sur les réseaux. Mais bon bah écoutez, j'aime pas faire de la pub pour moi, mais bah, c'est nous qui l'avons pour toi. Bah merci, merci les copains quoi. Eh bah écoutez. Sur ces bonnes paroles, il est temps de nous quitter. On a fait moins que la semaine dernière, on peut se féliciter. Pas beaucoup. Ouais. Moins quand même. Mais du coup, moi, j'ai une dernière petite phrase. Si vous avez des idées, des suggestions de thèmes ou de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, bah, il ne faut pas hésiter à nous les dire en commentaire ou nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, Bientôt sur LinkedIn. Bientôt sur LinkedIn. Voilà. Donc non, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on traite, qu'on aborde, qu'on creuse un peu, c'est ça, envoyez-nous aussi des idées, on se fera un plaisir de... Nous, c'est vrai qu'on a plein d'idées, mais je pense qu'il est intéressant aussi de pouvoir se focaliser sur vos envies à vous. Et en plus, nous, ça va vraiment nous faire plaisir de nous documenter sur des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc, écoutez, les portes sont ouvertes, enfin, la boîte aux lettres est ouverte, si je puis dire. Donc, n'hésitez pas, quoi. Alors, écoutez, c'est l'heure de nous quitter. On se retrouvera dans 2 semaines, donc le 30. Alors on essaye de voir, est-ce que ce sera en live, est-ce que ce sera pas en live, pour l'instant voilà. C'est ça, sans pour parler, je pense que ce sera en live, mais en tout cas on ne sera pas forcément sur les mêmes horaires que d'habitude. On va voir. Surtout à la veille de la Saint-Sylvestre, on imagine que tout le monde sera en vacances. C'est ça. Tout le monde prendra des forces pour la folle soirée du 31. Patrimoine travaillera, lui, donc il y a possibilité. Donc j'espère que vous serez présents. Et du coup, écoutez, avant de nous quitter, au nom de toute l'équipe d'Inarte Veritas, je tiens à remercier Joe, dit Pat Rimoine. Le petit jeu de mots, vous avez noté. Et son assistante. Et son assistante Louane, qui nous a fait le plaisir d'être présente ce soir pour soutenir Pat dans sa lourde tâche. On remercie également la régie, on les a vus. On remercie également TV Wonders. TV Wonders. Qui fournit l'ensemble du matériel. C'est vrai que pour en avoir discuté avec des personnes qui ont regardé ce podcast, faut savoir que l'ensemble du matériel qui permet de filmer, faire la com, etc. Donc c'est fourni par la société TV Wonders, pardon. Donc on les remercie chaleureusement. On remercie également la société Metsys, donc qui est basée à Saint-Grégoire, qui nous met à disposition les locaux et qui nous permet d'avoir de faire l'émission et surtout d'avoir un site de qualité couplé à la qualité de TV Wonders pour la réalisation de ces podcasts. Eh bien, écoutez, je vous souhaite déjà un excellent réveillon de Noël. On ne va pas se revoir avant. On ne se reverra pas avant. C'est vrai. De toute façon, on fera un petit mot sur nos réseaux. Mais, bien sûr. Putain. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on vous dit tous en cœur, à dans 2 semaines. Le 30, enfin en cœur. On attend que t'aies fini parce que j'allais dire. Non, mais on se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. À bientôt, tout le monde. Merci. Salut, à la prochaine.